Let us pray. Prions. Our Father, we thank you for this time. Notre Père, nous te remercions pour ce moment. We pray that you bless us in your word now. Nous prions que tu nous bénisses dans ta parole maintenant. In Jesus' name we pray. Au nom de Jésus, nous avons prié. We're talking on faithfulness in service. Nous prions de la fidélité, nous parlons de la fidélité dans le service. Already the Lord has taught us much. Déjà, le Seigneur nous a beaucoup appris. But the Lord wants us to understand that as He is a faithful God, He also wants us to be faithful. Et Dieu veut que nous sachions que comme lui il est fidèle, il veut que nous soyons aussi fidèles. In 1 Thessalonians chapter 5, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verse 24, verset 24, faithful is he that has called you, who also will do it. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. God has called you into service. Dieu t'a appelé dans son service. And he has promised a lot of things he will do if you do your part. Et il a promis de faire beaucoup de choses si tu fais ta part. And here we are told that that God who has called you is a faithful God. Et ici on nous dit que Dieu qui t'a appelé, il est un Dieu fidèle. And whatever he has promised that he will do. Et tout ce qu'il a promis de faire. In 2 Thessalonians chapter 3. 2 Thessaloniciens chapitre 3. Verse 3. Verset 3. But the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira et vous préservera du malin. There is no doubt about the faithfulness of God. Il n'y a pas de doute concernant la fidélité de Dieu. When he gives a promise, he'll fulfill that promise. Quand il fait une promesse, il l'accomplit. And he will keep you from evil. Et il va vous garder du malin. The faithfulness of God is to move you to your own faithfulness towards God. Et la fidélité de Dieu, c'est de vous entraîner dans la fidélité, dans votre fidélité vis-à-vis de Dieu. Here Paul the apostle was telling the Christians at Thessalonica. Ici l'apôtre Paul parle aux chrétiens à Thessalonique. He said in verse 1, finally brethren, pray for us. Il dit au verset 1, au reste, frères, priez pour nous. That the word of the Lord may have free course and be glorified even as it is with you. Afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous. What a Christian worker needs to pray for is that God will grant a free course for the word of God to be preached. Ce que l'ouvrier chrétien a besoin de prier pour, c'est que Dieu puisse lui donner un libre cours pour pouvoir enseigner la parole de Dieu. In verse 2, it says that we may be delivered from unreasonable and wicked men, for all men have not faith. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. A minister of God must not deceive himself. Un prédicateur de Dieu ne doit pas se tromper. He must understand that the Christian message is a serious message. Il doit comprendre que le message chrétien est un message sérieux. He must understand he does not have many friends that will support him, especially people outside the fold. Il doit comprendre que il n'aura pas beaucoup de personnes pour le supporter, spécialement les gens qui sont hors de l'assemblée. He must not deceive himself. Il ne doit pas se tromper. To think that when he's carrying sound doctrine, the message of the kingdom of God, that everybody in the world will love him and support him and say, we're backing you up. Que lorsqu'il porte la sainte doctrine, le message du royaume de Dieu, que tous les gens vont venir lui dire qu'on te supporte et qu'on est derrière toi. And so Paul the apostle said, we have got this message. Et l'apôtre Paul dit que nous avons reçu ce message. The word of the Lord. La parole de Dieu. And our desire is that that word of the Lord will have free course. Et notre désir c'est que ce message de Dieu ait libre cours. And that word of the Lord will be glorified. Afin que cette parole de Dieu soit glorifiée. Then he said, but pray for us. Et il dit, priez pour nous. That we may be delivered from unreasonable and wicked men. Afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers. When you consider the men of this world. Quand on
on examine les gens de ce monde, there are men that are completely secular, never religious. Il y a des gens qui sont totalement hors de Dieu, qui ne sont pas religieux. They don't bother themselves with the Bible. Et ils ne s'intéressent pas à la Bible. They are not bothered with God. Ils ne s'intéressent pas non plus à Dieu. They do not want to bother even Christian preachers. It's not their concern. Ils ne s'intéressent pas non plus aux prédicateurs chrétiens. If you are preaching, they just leave you alone to preach to the people that you feel need the gospel. Et quand tu prêches, ils te laissent seul et ils te laissent avec ceux qui pensent qu'ils ont besoin de la parole de Dieu. They are too busy with their secular employment to begin to fight religion. Ils sont beaucoup plus occupés par leur travail séculier et ils préfèrent attaquer la religion. They are too busy making money to give attention to fighting a man of God. Et ils sont très concernés à avoir de l'argent et pouvoir lutter comme l'homme de Dieu. Because they are completely secular and professional in their work, they do not want to have time with anything religious. Parce que ils sont tellement séculiers dans leur profession et leur travail, ils ne veulent rien avoir avec ce qui concerne la parole de they Dieu. They were not the people that Paul was talking about. Ce n'est pas de ceux que Paul parle. Because they had no time for Paul. Parce qu'ils n'ont pas de temps pour Paul. All their time was used in making money. Et tout leur temps était fait dans s'accaparer de l'argent. The people Paul talked about, unreasonable and wicked men that have not faith, were the people that they did not get into the kingdom, and they are so religious they don't want any other person to get into the kingdom. Ceux dont Paul parle, ce sont des gens qui sont irraisonnables et qui ne vont pas au royaume de Dieu et qui empêchent aussi d'autres d'aller, mais ils sont religieux. Those are the people that will oppose. Ce sont les gens qui vont opposer. They will persecute. Ils vont persécuter. They are religious but they are not righteous. Ils sont religieux mais ils ne sont pas justes. And it says, let us pray that God will deliver this apostle Paul from all these unreasonable and wicked men. Et il a dit, prions afin que Dieu délivre l'apôtre Paul de la main de tous ces méchants et ces pervers. Then he reminded the believers, the Lord is faithful. Et il a rappelé aux chrétiens que Dieu est fidèle. He will establish you and keep you from the evil of unreasonable and wicked men. Et il va vous établir et vous garder de la main des hommes méchants et pervers. As we are going back to your various countries, comme vous allez repartir dans vos pays respectifs, remember who has called you. Il faut vous rappeler de celui qui vous a appelé. And remember, you are to be faithful to the God who has called you. Il faudrait aussi vous souvenir que vous devez être fidèle à Dieu. He on his own side will be faithful. He will establish you. Lui aussi de son côté, il sera fidèle et il va vous établir. And he will keep you from all evil. Et il va vous garder de toute malice. In Lamentation chapter 3, verse 23. Dans Lamentation chapitre 3, verset 23. Lamentation chapter 3 verse 23. Lamentation chapitre 3 verset 23. It says they, referring to the mercies and the compassions of the Lord. The mercies and the compassions of the Lord are new every morning. Great is thy faithfulness. Les bontés de l'Éternel, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Now if God is faithful, maintenant Dieu est fidèle. He loves and demands faithfulness from us. Il aime et il demande la fidélité de nous. And you begin to consider yourself as a Christian worker. Et tu commences par te considérer comme un ouvrier chrétien. As a minister, a preacher of the gospel. Comme un ministre de l'évangile, comme un prédicateur de la parole de Dieu. The Lord has raised you up. Et Dieu t'a élevé. And he wants you to be faithful to him. Et il veut que tu lui sois fidèle. Jesus was faithful to the Father in his ministry here on earth. Jésus-Christ a été fidèle au Père dans son ministère sur terre ici. And God expects to be faithful to him in your ministry here on earth for the glory of God. Et Dieu attend que tu lui sois fidèle dans ton ministère pour lui sur cette terre. And your faithfulness is something that will go on until you die. Or you go to be with the Lord Jesus Christ. Ta fidélité doit être quelque chose qui continue jusqu'à ce que tu meurs ou que tu ailles rencontrer le Seigneur Jésus. In Revelation chapter 2, verse 10. Apocalypse chapitre 2, verset 10. Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison,
that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days. Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. The fear of man brings a snare. La peur de l'homme amène une sorte de joug. As long as you are afraid, you will not be able to keep faithful to the Lord. Aussi longtemps que tu as peur, tu ne pourras pas être fidèle à Dieu. Take a national overseer for example. Pour prendre le cas d'un responsable de pays. He gets into a country that he has never been before. Il va dans un pays où il n'a jamais été. He does not know all the conditions in that country. Il ne connaît pas les conditions dans ce pays. But he's interested in preaching the gospel that God has put in his hand. Mais il est intéressé à prêcher l'évangile que Dieu a mis dans sa main. If he is afraid of the people in that country, he'll never be faithful to God. S'il a peur des gens dans ce pays, il ne sera jamais fidèle à Dieu. Take the national overseer. Il faut prendre le responsable du pays. In the nation. Dans la nation, the church is established. L'église est établie. And then there are many people that have come into that church. Et il y a beaucoup de personnes qui viennent dans cette église. If he is afraid of those workers inside the church, that he cannot control them, they are controlling him, he will never be faithful to God. Et si il a peur des ouvriers dans l'église, que si ce n'est pas lui qui les contrôle, mais c'est eux qui le contrôlent, il ne pourra jamais être fidèle à Dieu. The national overseer that will be afraid of the rich men in the church will be afraid of the vocal people in the church. They'll never be faithful to God. Les responsables d'état de pays qui auront peur des gens riches dans l'église ou des gens qui ont de l'influence, ils ne seront jamais fidèles à Dieu. Now, the Christian worker is the cleanest man in the country. L'ouvrier chrétien est l'homme le plus pur dans le pays. Because the blood of Jesus has washed him. Car le sang de Jésus-Christ l'a lavé. He is pure, he is righteous. Il est pur, il est juste. His hands are clean. Ses mains sont propres. His language is clean. Son langage le His relationship aussi. Is clean. Ses relations le sont aussi. Anywhere a child of God goes. N'importe où l'enfant de Dieu va. As a missionary. Comme un missionnaire, in a foreign land, dans un pays étranger, or as an evangelist, comme un évangéliste, in his own land, dans son propre pays, is the purest, cleanest, holiest man that you can see that has been washed in the blood of Jesus. C'est l'homme le plus pur, le plus juste et le plus saint que vous pouvez rencontrer, qui a été lavé dans le sang de Jésus. As a clean man, comme un homme pur, as a righteous man, comme un homme juste, he is not afraid of the government. Il n'a pas peur du gouvernement. The government is not looking for people that are righteous, wanting to punish them. Dieu ne cherche, le gouvernement ne recherche pas les gens qui sont justes pour les punir. As a man that is chosen of God, comme un homme qui a été choisi par washed Dieu, washed and cleansed in the blood of Jesus, lavé et purifié dans le sang de he Jésus. He is not afraid of the policemen. Il n'a pas peur des policiers. The policemen are not looking for people that are righteous to imprison them. Les policiers ne recherchent pas ceux qui sont justes pour les emprisonner. They can investigate about his life. Ils peuvent faire des investigations sur sa vie. Send out secret agents to investigate about his life. Il peut envoyer des agents secrets pour investiguer dans sa vie. And while they're investigating, the Holy Ghost is pointing to them. You have forgotten something. Check up this one. Et lorsqu'ils font des investigations, le Saint-Esprit leur dit, vous avez oublié quelque chose, regardez ceci. In every investigation, if that man is called of God, sent by God, he'll find him to be righteous and clean. There's nothing for him to fear. Et dans n'importe quelle investigation, si l'homme est appelé de Dieu, choisi par Dieu, envoyé par Dieu, ils ne trouveront rien. As long as you are afraid in the country of the government, of the policemen, of the members in the church, of the rich men, or religious people, you will never be able to serve God faithfully. Et aussi longtemps que vous aurez peur du gouvernement, des policiers, des hommes riches dans l'église, ou des religieux, vous ne pourrez jamais être fidèle dans votre service pour the Dieu. Pastor of a local church, le pasteur d'une église locale, he must not be afraid, il ne doit pas être apeuré. Afraid of the people that are serving or working under him.
ayant peur des gens qui travaillent sous lui. Listen, the pastor has the mystery of this kingdom in his hand. Le pasteur a le mystère de ce royaume dans sa main. The message that will save the most educated man in that city and the most enlightened man in that city, it's in the hand of that pastor. Le message qui va sauver l'homme le plus important de ce de cette ville et l'homme le plus civilisé même de cette ville. The greatest power that can control the whole universe is inside the heart of that pastor. Et the Holy Ghost. La grande puissance qui peut contrôler tout l'univers se trouve dans le cœur du pasteur. And as a minister of the gospel, a pastor in the church, if he's called by God, he has nobody to fear. Et en tant que prédicateur, en tant que pasteur appelé par Dieu, il n'a rien à craindre des hommes. His faith can move a mountain. Sa foi peut soulever les montagnes. His faith can divide the Red Sea. Et sa foi peut diviser la mer Rouge. His faith can bring Pharaoh under submission. Et sa foi peut amener Pharaon sous la soumission. His faith can tie the hand of Nebuchadnezzar. Et sa foi peut lier les mains de Nebuchadnezzar. His faith can bring even the devil, the very devil who is the controller of all the wicked people in the world, his faith can put that devil under his feet. Et même sa foi peut mettre le démon qui est celui qui contrôle tout les choses de ce monde et le mettre sous ses pieds. Because of that pastor, if he's really called of God, is not afraid of anything or anyone in that place. Et c'est pourquoi si ce pasteur est vraiment appelé de Dieu, il n'aura peur de quoi que ce soit et de qui que ce soit dans ce lieu. He takes the Bible in his hand. Il prend la Bible dans sa main. And he stands so firm on the doctrines of the Word of God. Et il demeure ferme sur les doctrines de la parole de Dieu. And while he's standing to declare the truth of God. Et lorsqu'il se tient debout pour déclarer la vérité de Dieu. He is an ambassador sent from heaven to declare the truth to the world. Il est un ambassadeur envoyé du ciel pour déclarer la vérité de Dieu. Because of that, he is not afraid. À cause de cela, il n'a pas peur. All the army and the power of the government of the universe, of the government of heaven that sent him, they are backing him up while he's on that pulpit. Car toute la puissance de l'armée de ceux qui l'ont envoyé du ciel, quand il est sur la chair, cette puissance est avec lui. The angels of God that are sent to minister to the heirs of salvation, they are backing him up, they are standing at attention while he's declaring the faithful word of God and is faithful to God. Et tous les anges qui ont été appelés pour soutenir les héritiers de la grâce de Dieu, ils sont avec lui au moment où il déclare la vérité de Dieu. Because of that, he's not afraid, he's not panicking when he's preaching the word of God. C'est pourquoi il n'a pas peur, il n'est pas paniqué lorsqu'il prêche la parole de Dieu. You know, sometimes when you are building a house, souvent quand on construit une maison, in any country, dans n'importe quel pays, if you have not got a very good plan for that house, quand tu n'as pas eu un bon plan pour cette maison, you did not get the permission of the town planning. Vous ne pouvez pas avoir l'autorisation du service des domaines. You have not got the authority from the people that authorize you to build that house. Vous ne pourrez pas avoir l'autorisation des gens qui sont habilités à vous donner. While you are building that house, quand vous construisez cette maison, you will be afraid. Tu auras peur. Because whatever money you have spent on that house, parce que pour n'importe quelle somme que vous dépensez, the government officials can come and just demolish everything after you have built it even to the roofing level. Les agents du gouvernement peuvent venir et détruire tout même si vous avez construit ça jusqu'au toit. But if you have a contract, mais si vous avez un contrat, and you are building a government house, et vous êtes en train de construire une maison du gouvernement, and you have the support of the government, et vous avez le support du gouvernement. This is not a personal house you are building. Ce n'est pas une maison personnelle que vous construisez. It is a government house you have a contract to build. C'est une maison du gouvernement pour lequel vous avez reçu un contrat. And you are building it in a particular place. Et vous la construisez dans un lieu. That has been appointed and accepted by the government. That is where to build that government house. Qui a été choisi et approuvé par le gouvernement. And the villagers are saying, "Oh, you are not going to build that house." Et les villageois disent non, vous ne construisez. You keep on building the house. Et vous continuez à construire la maison. It's a contract. C'est un contrat from the government. Du gouvernement. The whole law of that country is backing you up.
La loi de tout ce pays vous soutient. No villager who doesn't want to get to prison will come and destroy that house. He'll get into trouble. Aucun villageois qui ne veut pas aller dans la prison ne viendra aller contre cette décision et entrer dans les trous. The church is not my property. The church belongs to God. L'église n'est pas ma propriété. L'église appartient à Dieu. And the whole earth is the Lord's and the fullness thereof. Car la terre et ce qu'elle renferme appartiennent aussi and à Dieu. And as a minister of the gospel. Et comme un ministre de l'évangile. As a pastor in the church. Comme un pasteur dans l'église. I have a contract from the heavenly government. J'ai un contrat du gouvernement céleste. To come and build this church in this country. De venir et construire cette église dans ce pays. It's government building. C'est un monument. Belonging to the greatest government that you have ever known, that you have ever seen. Appartenant au plus grand gouvernement que vous n'avez jamais vu. It's a government that has remained in control of everything for 6,000 years, and neither Pharaoh nor Nebuchadnezzar nor Herod nor Nero has been able to thwart or able to defeat that government. There is no coup that has been able to topple that government. C'est le gouvernement qui a existé depuis plus de 6000 ans et que personne n'a pu renverser, ni Pharaon ni tous les autres, Hérode et les autres. And I have a contract from that government of heaven. Et j'ai un contrat de ce gouvernement céleste. To assist in building the church. Et qui assiste à construire l'église. And as a wise master builder. Et en tant que un maître d'ouvrage. We lay the foundation on the Lord Jesus Christ. On pose le fondement sur Jésus-Christ. While we're building. Quand nous construisons. While we're preaching. Quand nous prêchons. There's nothing to fear. Il n'y a rien à avoir peur. What have I got to fear? Pourquoi est-ce que je dois avoir peur? What have you got to fear? Pourquoi est-ce que tu dois avoir peur? God is backing you up. Dieu te soutient. Jesus Christ is standing by you. Jésus-Christ est près de toi. The Holy Ghost is living within you. Le Saint-Esprit vit en toi. And the word of God in your mouth. Et la parole de Dieu dans ta bouche. The moment you say it. La parole à partir du moment où tu l'as dit. That word of God. Cette parole de Dieu. The moment you say it. À partir du moment où tu la prononces. All heaven begin to back up that word of God. Tout le ciel commence par soutenir cette parole de Dieu. Anywhere. Partout. Anywhere. Partout. Whether in South Africa. Que ce soit en Afrique du Sud. Or in West Africa. Ou en Afrique de l'Ouest. Or in Europe. Ou en Europe. Anywhere in the world. N'importe où dans le monde. If God has sent you there to preach that gospel will prosper in your hand. Si Dieu t'a envoyé pour prêcher cet évangile va prospérer dans ta main. It is fear that makes people to become unfaithful. Et c'est la peur qui rend que les gens ne sont pas fidèles. Now God has called you. Maintenant Dieu t'a appelé. As God has called you. Comme Dieu t'a appelé. He expects that you will be faithful unto him. Il attend que tu lui sois fidèle. Not only that. Pas ça seulement. You will be faithful to leadership. Tu dois aussi être fidèle au leader. You are faithful to God. Tu es fidèle à Dieu. You are faithful to leadership. Tu es fidèle aussi au leader. Let me explain to you when I talk about faithfulness to leadership. Je vais vous expliquer lorsque je parle de fidélité au leader. The church is very, very large. L'église est très, très grande. Take just deeper Christian life ministry alone. Prenons seulement le ministère de la vie chrétienne profonde. We have this church in Nigeria here. Nous l'avons ici au Nigeria. We have the church in every state in Nigeria. Nous l'avons dans tous les états du Nigeria. We have the church in Togo. Nous l'avons au Togo. In Ghana. Au Ghana. In Ivory Coast. En Côte d'Ivoire. In Burkina Faso. Au Burkina Faso. In the Gambia. En Gambie. In Sierra Leone. Au Sierra Leone. In Liberia. Au Liberia. In Cameroon. Au Cameroun. And also in East Africa. Et aussi en Afrique de l'Est. Now, obedience or faithfulness to leadership does not mean that now you are in Ghana. And then there is deeper life in Cameroon. Then you are faithful to the leader in Cameroon, unfaithful to the leader in Ghana, where you are. That's not Christian faithfulness. L'obéissance et la fidélité au leader, cela ne veut pas dire que, par exemple, si tu es au Ghana et il y a le leader aussi du Cameroun, toi qui es au Ghana, tu es fidèle au leader du Cameroun au lieu de l'être pour celui du There Ghana. There are workers that erroneously feel, well, I'm going to be faithful to leadership. Et il y a des ouvriers qui, de manière erronée, ils disent qu'ils vont être fidèles. And they know that deeper life is large. Et ils savent que le ministère de la vie chrétienne profonde est très Maybe grand. They are working in Cameroon. Peut-être qu'ils travaillent au Cameroun. Instead of being submissive and faithful to the leader in Cameroon, they are writing to
cross River State, because after all, that's deeper life also. Anything I want to do as a pastor in deeper life, even though I'm operating in Cameroon, I love the method of the deeper life leader in Cross River State, and he's very close to us. I'll be writing to him. I'll be getting instruction from him. And what God wants is faithfulness. Once I am faithful to him, I am still faithful to leadership. You are unfaithful. Et quand on est au Cameroun, on préfère, au lieu d'être fidèle au leader du Cameroun, on dit qu'on sera fidèle au leader de Cross River. Et puisque Cross River est tout près du Cameroun, et on écrit des lettres, on demande des instructions, et nous pensons que nous sommes ainsi fidèles. C'est faux, nous ne sommes pas fidèles. Now to say that Togo is very near to Ghana, and you are not faithful in Togo to the leadership in the work there, and then you are going to Ghana to get your instruction, you are going to Ghana to get your direction, you are going to Ghana to be obedient and faithful to the leadership in Ghana, you are unfaithful. Because here you are in Togo and the work is going on, and you cannot be faithful in that country where you are. You have to go to somebody who doesn't know what you are doing. You have to go to somebody who cannot supervise you. He cannot leave the work in Ghana and come to Togo to supervise. You are unfaithful. Et si tu es au Togo, au lieu d'être soumis et d'être fidèle au Togo, tu ne l'es pas, mais tu vas au Ghana pour recevoir des instructions, pour recevoir des enseignements. Ainsi, tu n'es pas vraiment fidèle, parce que celui qui est au Ghana, il ne peut pas quitter le Ghana pour venir te suivre. Il ne sait pas ce que tu fais et tu penses que tu es fidèle, tu ne l'es pas. Let me ask you, je vais vous demander, if you are working in this bank here, si vous travaillez dans une banque ici, then there is another bank on the other side of the road. Et il y a aussi une autre banque de l'autre côté de la route. And they expect you to be a faithful worker. Et on voudrait que tu sois un ouvrier fidèle. Now when you cannot balance your accounts, quand tu ne peux pas équilibrer ton compte, you leave the manager in your own bank. Tu laisses ton directeur dans ta propre banque. No, you say bank is bank. Et tu dis, ah, les banques sont les mêmes. And that is another branch of the bank. Et ça, c'est une autre branche de la banque. Then you go to that other bank. Et tu vas dans l'autre banque. They don't know you there. Ils ne te connaissent they pas may know you facially, but you are not in their register as one of their workers. Ils peuvent connaître ta physionomie, mais tu n'es pas dans leur registre. Tu n'es pas. And then all the instructions you want to take, you are taking from that other bank, and here is where you have your record as a worker. You are not faithful. Et toutes les instructions que tu veux recevoir, c'est dans l'autre banque, alors que c'est ici que tu es enregistré. Here you are as a teacher in a school. Et en tant qu'enseignant dans une école, you have a principal. Tu as un principal. And then you have to show your note of lesson to the principal. Et tu dois lui montrer tes préparations. You have to mark register. Tu dois suivre l'appel. You have to mark your examination papers. Et aussi les devoirs. And you are in this school A, where the principal of school A is supposed to supervise your work. Et tu es dans cette école A où le principal de cette école devait superviser ton travail. And you will never show up. You'll never tell this principal where you are working. You'll never show him your work. You'll go to another school in the other town, because that other school, the principal there is from your village, is from your town, is the person you are reporting to about your activities, about your progress, about your problems, about your difficulties. Your real principal where you are teaching, you neglect him. You are not faithful. Et tu laisses ton école, tu ne dis rien à ton principal ici. Tu vas dans une autre ville et tu vas recevoir des instructions. Tu vas expliquer tes problèmes, tes difficultés à l'autre principal parce que il est de ton village. Ainsi, tu n'es pas fidèle. Now, if that one is bad, et si cela est mauvais, going from your own leader, partir de ce ton propre leader, to another leader within deeper life, chez un autre leader dans le même ministère, if that is bad, ça est-ce que c'est mauvais? How can you, as a Christian worker, comment vous en tant que ouvrier chrétien, you have been called to Christian service in deeper Christian life ministry, vous avez été appelé au service chrétien dans le ministère de la vie chrétienne, pour instead of being faithful to the leader in deeper Christian life ministry in your country, et au lieu d'être fidèle au responsable du ministère de la vie chrétienne profonde dans votre pays, you go to the priest of the Catholic Church. Tu vas chez le prêtre de l'église catholique. Oh, and you say what is important is just faithfulness. Et tu dis, oh, tout ce qui est important, c'est d'être fidèle. Once I am faithful, that is the important thing. Si je suis fidèle, c'est ce qui est important. Deeper life is a church.
Le ministère est une église. The Catholic Church is a church. L'église catholique est une église. So I want to be faithful. Et je veux être fidèle. And then you go to the Catholic priest. Et tu vas chez le prêtre catholique. And you say, I will make you my father. Et tu dis, je veux te faire mon père. I am a Christian worker. Je suis un ouvrier chrétien. Anything you want to tell me how to do the work, I will do it that way. Tout ce que tu voudras me dire, je voudrais l'accepter. Although I am not a Catholic. C'est vrai, je ne suis pas catholique. I belong to the church called Deeper Life. J'appartiens à l'église appelée Église Vivante. But I want you to be controlling me. Mais je voudrais que tu me contrôles. I want you to be directing me. Je voudrais que tu me diriges. I want you to be giving me instructions. Je voudrais que tu me donnes des instructions. That means you're unfaithful. Ça veut dire l'infidélité. I'm not saying that priest is bad or not bad. I'm just saying that because he is not your leader directly, then if you go to him asking for direction, asking for instruction, and you leave the leader of the church where you are a worker, you are unfaithful. Je ne veux pas dire que ce prêtre est mauvais ou non, mais ce que je veux faire ressortir, c'est que à partir du moment où tu laisses ton propre leader dans ton église pour aller chez quelqu'un d'autre, tu es infidèle. What do you think of a worker in Deeper Life? Que pensez-vous d'un ouvrier dans le ministère? Instead, he will not go to his own leader in his own country. Il n'ira pas chez son leader dans son propre pays. He will not be faithful to the pastor in his own country. Il ne va pas être fidèle au pasteur dans son église. He is not even going to another leader in Deeper Life in another place, which will even be wrong. Et il ne va pas non plus chez un autre leader dans un autre lieu, ce qui serait encore mauvais. And he is not going to another pastor of another church in his own country, which would also be wrong. Et il ne va pas aussi chez le pasteur d'une autre église dans son pays, ce qui serait aussi mauvais. He has read a tract from America. Il a lu un traité d'Amérique. On that tract, he has seen the name of the pastor there. Et sur ce traité, il a vu le nom du pasteur. He has seen the activities of that church on paper. Il a vu les activités de cette église sur le papier. He has never seen that pastor. Il n'a jamais vu ce pasteur. He has never known the life of that pastor. Il n'a plus qu'il ne connaît sa vie. All he knows about that pastor is that he's in America. Tout ce qu'il sait de ce pasteur, c'est qu'il est en Amérique. And that he is preaching the gospel. Et qu'il prêche l'évangile. And that he is having a good church over there. Et qu'il a une bonne église là-bas. Which pastor in the world will write a tract and say he is having a bad church in his country? Quel pasteur qui va écrire un traité qui va dire qu'il a une mauvaise église? If you are to write about your own church, si tu dois écrire quelque chose sur ton and send église, the paper to Canada, et envoyer le papier au Canada, will you write a tract and print it at your own press and then say that our church is very, very bad, nobody must come to our church? No, you will write something very good about your own church too. Est-ce que tu vas écrire le traité et puis l'imprimer dans ta propre imprimerie et dire que notre église est très très mauvaise? Est-ce que tu vas le faire? Non. So you have read this tract from America. Maintenant tu as lu ce traité d'Amérique. So you pick up your pen. Et tu prends ton bic. Your leader here is in Ghana. Ton leader ici, il est au Ghana. You forsake him. Tu l'abandonnes. Your pastor is there in the local church. Ton pasteur est là dans l'église locale. You neglect him. Tu le négliges. You write a letter. Tu écris une lettre. Introducing yourself. Et tu te présentes. Sending your photograph. Et envoyant ta photo. Sending the photograph of the church. Et envoyant aussi la photo de l'église. Do you have a right to do that? Est-ce que tu as le droit de faire cela? To send the photograph of the church where you are a pastor under Deeper Life to somebody you don't know in America. D'envoyer la photo de l'église du ministère de la vie chrétienne profonde à un pasteur en Amérique que tu ne connais pas. Writing to that pastor over there saying, Pastor, I've read your tract and the tract is so very wonderful. I'm a pastor in Deeper Life. I'm a worker in Deeper Life. We have 200 people and we have a Bible study. We have prayer meeting. We have Sunday worship. And I like you so much. Anything you can do to correct me, to control me, I want to be faithful in this work of God, be controlling me from America. Et tu écris à ce pasteur, tu lui dis, voilà, nous sommes ici et nous sommes environ 200, nous nous portons bien, nous faisons ceci, nous faisons cela. Et maintenant, j'ai lu ce que tu as écrit, c'est très bon et je voudrais que tu me contrôles, que tu me diriges
et te contrôlant depuis l'Amérique, est-ce que c'est and vrai? Then he sends you a questionnaire. Et il vous envoie un questionnaire. He says, well, if you really mean what you said and you want to be faithful and you want to be submissive and you want us to help your church, now answer all these questions. Et il vous demande et si vous êtes prêt à être fidèle et que tu veux que on aide ton église, alors il faut répondre à ces questions. When did the church start? Quand est-ce que l'église a commencé? When did you become a pastor? Quand est-ce que tu es devenu pasteur? How many people are in the church? Combien de personnes sont dans l'église? How do you, what do you preach? Qu'est-ce que tu prêches? Don't tell any lie, just tell us everything. Il ne faut pas mentir, il faut tout dire. Very, very quickly. Très vite. In 30 minutes you fill all the questionnaire when it came. En 30 minutes on a rempli le questionnaire. You will not even do that very quickly for your own pastor or for your national overseer. Tu ne le feras jamais même pour ton propre pasteur ou ton leader de pays. Maybe you are looking for American dollar. Peut-être que tu recherches le dollar américain. And then you post it immediately. Et tu postes cela immédiatement. Then they write back to you. Et ils t'écrivent en réponse. We have read your answers to the questionnaire. Nous avons lu tes réponses au questionnaire. Now we want to help you. Maintenant nous voulons t'aider. Before we help you, mais avant de t'aider, make all these corrections. Il faut faire toutes ces corrections. From the photograph you sent. À partir de la photo que tu as envoyé. We saw that all the sisters in that church, they are covering their heads as if, you know, they are in the Victorian age. Now, time has changed. Now, things are civilized. You tell them, announce to them that we are coming, we will help, we will supervise your church. Tell them to throw away the scarf into the fire. Que dans la photo que tu nous as amené, on a vu que les femmes avaient la tête couverte et que ça ressemblait à l'ancien temps. Et que maintenant nous venons et nous allons vous aider. Then you begin another thing. Et tu commences quelque chose. You are chose not faithful. Tu n'es pas fidèle. Because you see, faithfulness to leadership means your leader, your direct leader, maybe younger than you are in age, maybe of the same nation as you are, maybe married, may not be married. Whoever he is, that is the leader in that place. The Bible demands that you are faithful. Et votre leader, quel que soit son âge, il peut être marié ou il peut ne pas l'être, il peut être plus jeune que vous ou non, mais la Bible dit, votre leader, quel que soit ce qu'il est, il faut lui être fidèle. Of course, faithfulness, if you are going to be faithful to a leader, that means that he himself is faithful to his own leader. Si nous devons être fidèles au leader, ça veut dire que le leader lui-même, il est fidèle à celui qui est in any country, dans n'importe quel pays, where there is an individual that is called the Christian worker that will not be faithful to the headquarters here, that will do whatever he likes, anytime he likes it, preach whatever he likes, and gives the administration of the church in whichever way he likes, without the authority of the headquarters church here. Now the headquarters will have to remove him because he's not faithful. Et pour n'importe quel individu dans les pays qui ne se référera jamais au siège international, il fait ce qu'il veut, il prêche ce qu'il veut, cette personne n'est pas fidèle et le siège international aura à l'enlever. And you must be sure. Et il doit être assuré. That the headquarters here in Nigeria, I don't believe, I've never believed it for one single minute, that any single individual in this world or any group of individuals in this world can destroy the church of God that God has sent me to be able to build, because I have a contract from heaven. And when somebody is under discipline in any country, whether in Ghana or in Cameroon or Togo or Sierra Leone, anywhere, if the headquarters church here is involved in that discipline, I advise you, take that discipline, because we serve a living God. And if we tell you that, brother, you need to pray, you need to get this done, you need to get this done, don't waste your time going about and trying to make trouble, because we are people that are mighty on our knees. When we preach is one thing. When we go to kneel down and we pray concerning the work the Lord has committed into our hands, we're very serious about it. Et nous voyons que ici au siège international, je ne crois pas personnellement que un seul individu peut gâter l'œuvre de Dieu, l'œuvre que Dieu m'a confiée, parce que j'ai reçu un contrat céleste, un contrat du gouvernement céleste, et personne ne peut
vraiment gâter cette œuvre. Et si quelqu'un dans n'importe quel pays est sous discipline et que le siège international est intéressé par cette discipline, par cette sanction, il faut que cette personne comprenne qu'il faut qu'elle aille prier. Si on a jugé bon qu'elle aille prier, il faut qu'elle le fasse. We must be faithful to the leadership in the church. Il faut être fidèle au leader dans l'église. If you have any problem with the leadership in the church, quand vous avez n'importe quel problème avec le leader dans l'église, that problem does not allow you to become unfaithful. Et ce problème ne vous permet pas de devenir infidèle. There is a way you solve a problem, but not to become rebellious. Il y a des moyens de résoudre les problèmes et non pas devenir rebelle. You can, if you have a problem with your leader, the very first thing is not to write to the headquarters in Lagos. The very first thing is to go to that leader and say, brother, you are our leader, but we have some problems with you. Let's settle the problem. Si tu as un problème, la première chose que tu dois faire, ce n'est pas d'écrire ici à Lagos, mais d'aller voir ce leader et lui dire, voilà, il y a des problèmes et vous réglez cela. You have a problem with the national overseer. Quand tu as un problème avec le responsable du pays, then you go to talk to another leader in deeper life in another country without seeing that leader. You are going wrong. Et tu as un problème avec ton leader national et tu vas encore contacter un autre leader dans un autre pays appartenant au ministère. Tu es dans le monde. Or you come directly to the headquarters here to come and talk to me. You have not talked to your leader. You are wrong. Et tu viens directement ici au siège international pour me voir. Tu n'as pas vu ton leader. C'est mauvais. Or you go to the police. Police. The people that know nothing about the new birth, about regeneration, about being born again. You have a problem in the church of the living God with the national overseer or with your pastor, and you go to the police to come and arrest your national overseer. Et the Lord himself will have to bring in his own police to deal with you. You know his police, it will be terrible. Et tu as des problèmes avec ton responsable d'état et tu vas à la police. La police, des gens qui n'ont rien à voir avec Dieu, qui ne connaissent même pas la voix de Dieu, et tu fais tout cela afin qu'on arrête ton leader. Mais now, il faut savoir que Dieu, lui aussi, il a sa police et il pourra t'arrêter aussi. Now you tell me. Maintenant, dites-moi, in all sincerity, en toute sincérité, what do you think that a policeman can do? Que pensez-vous qu'un homme, un policier peut against faire? A man like Moses, comme un homme comme Moïse, appearing before Pharaoh, qui apparaît devant Pharaon, saying I have a message from God, et qui dit que j'ai un message de let Dieu, my people go, que tu laisses mes hommes partir. What can police do against that man? Qu'est-ce que les policiers peuvent faire contre cet homme? Take Daniel. Faut prendre le cas de Daniel, in Babylon, en Babylone, that says that this secret is in, a man cannot discover this secret. This secret is with the Lord Most High, and I will go and pray in the night and bring the secret to you. You bring a police against that man, you throw him in the lion's den. What can police do against Daniel? Et quand il dit que le secret n'est pas avec moi, mais le secret est avec le plus haut, je vais aller, je vais prier et je vais amener la révélation. Que pouvez-vous faire contre un tel homme? You take a man like Paul the apostle. Vous prenez un homme comme Paul l'apôtre. Preaching the gospel to a governor. Qui prêche la parole de Dieu à un gouverneur. And the sorcerer, the person that is assisting that governor, began to make trouble, wanting to dissuade the governor from accepting the faith. And Paul looked at him and said, you'll be blind for a season, and they'll leave you out because you are full of all bitterness and gall. Therefore, and they took him out in blindness. What can police do against a man like that? Et quand Paul parlait au gouverneur, mais celui qui assistait le gouverneur, le sorcier, qui essayait d'empêcher le gouverneur d'accepter la parole de Dieu, et Paul l'a regardé fixement et il lui a dit, tu seras aveugle pour un temps. Qu'est-ce qu'on peut faire contre un tel homme? A man that they put in prison, Paul, and after they put him in prison, he began to sing and he began to praise the Lord with Silas, and the prison doors opened. And while the prison doors were open, all the chains were broken, he sat down there refusing to go out of prison. What can police do against that man? Un homme qu'on a mis en prison, et lorsqu'on a mis en prison, il chantait et il louait le Seigneur avec Silas. Et quand bien même les chaînes ont été brisées, les portes de la prison étaient ouvertes, il a refusé de sortir de la prison. Que peut-on faire contre cet homme? In the morning, the government sent and said, now you tell Paul and Silas, we're through with them, let them get out of the prison, they are free. And Paul said, you go and tell them that I'm Paul.
Nobody acts to me like that. They imprisoned me here without looking at the law, and they did it secretly, they did it openly, and they want me to go out of the prison secretly. You go and tell them, I, the Apostle Paul, I am here, I am not going out of prison. What can police do against that man? Et le matin, ils ont envoyé les gens leur dire qu'ils peuvent sortir, on les a libérés, mais Paul a fait savoir que non, ils l'ont emprisonné contrairement à la loi. Et que puisqu'ils l'ont emprisonné contrairement à la loi, il faut qu'ils viennent eux-mêmes le faire sortir de la prison. Que peut-on faire contre cet homme? Have you read about how Pharaoh died? Est-ce que vous avez lu comment Pharaon est mort? Have you read about how Nebuchadnezzar and Belshazzar ended their lives? Comment Nebuchadnezzar et Belshazzar ont terminé leur vie? Have you read about the death of Herod? Et la mort de Hérode aussi. Have you read history about Nero? Et l'histoire de Néron. Have you read history about Hitler, how he died? Et aussi comment Hitler est mort. Have you read history about Napoleon, how he died? Et vous avez aussi lu l'histoire de Napoléon, comment il est mort. Don't fight God. Il ne faut pas lutter contre Dieu. Very careful. Il faut faire attention. This God is a consuming fire. Dieu est un Dieu qui consume. And the Holy Ghost is not going to play with somebody that will pull the church right to the world and take the church to a court or take the church to policemen. Be very, very careful. Et le Saint-Esprit ne va pas blaguer avec qui que ce soit qui va prendre l'église et l'amener en cours de justice. If we have any problem with a leader, we go to our leader and we say, my brother, you are our leader. We feel that, maybe you're overlooking this area. Please help us. If the leader there helps you and everything is settled, that's finished. You continue the work and be faithful to him. Et si nous avons quelques problèmes avec notre leader, nous allons le voir et nous lui disons, frère, nous avons ceci, nous avons cela. C'est peut-être parce que tu sous-estimes ceci ou cela. Et ensemble nous réglons le problème et tout finit et nous lui sommes fidèles. But if the problem is not solved after you have seen your leader, your national overseer, it's only after that time you can contact the headquarters there. But when you contact the headquarters, don't tell a lie. Et c'est lorsque vous avez rencontré votre leader du pays et que le problème n'est pas résolu que vous pouvez venir au siège international, mais si vous venez, il ne faut pas mentir. Telling lies will not solve the problem. Telling lies will increase the problem. Mentir ne va pas résoudre le problème, au contraire, ça va vraiment l'accroître. Now let's be faithful to God. Soyons fidèles à Dieu. Faithful to the leader in the church. Fidèle au leader dans l'église. Also faithful to the church. Et aussi fidèle à l'église. You know, in faithfulness to the church. Dans la fidélité à l'église. We must make sure we are feeding the church. Et nous devons nous assurer que nous nourrissons l'église. In faithfulness to the church. Dans la fidélité à l'église. We must make sure that the money, the finance in the church, we handle it properly, appropriately, without stealing, without cheating. Nous devons nous assurer que l'argent et le côté financier de l'église est bien entretenu, sans tricherie et sans vol. In every little thing that is committed into your hand, by the grace of God, in the power of the Spirit of God, be faithful. Dans les petites choses qui nous sont confiées par la grâce de Dieu et par sa puissance, nous devons être fidèles. Now, if you are given, take for example, an announcement to make. Et si, par exemple, on vous donne une annonce à faire. And the national overseer says, well, brother, make the announcement. Et le responsable de l'État vous dit, bon, frère, fais l'annonce. He will normally tell you what areas you have to make the announcement. Et il va normalement vous dire les domaines dans lesquels vous devez faire l'annonce. Now, to go away from that announcement. Et partir hors de cette annonce. And spend 30 minutes preaching to the people while the overseer told you to make announcement. Et passer 30 minutes en train de prêcher aux gens alors que le responsable vous a dit simplement de faire l'annonce. And then you begin to say, listen to this announcement. Et maintenant tu dis, bon, écoutez cette annonce. According to John chapter 3 verse 16. Selon Jean chapitre 3 verset 16. God so loved the world that he gave his only begotten son. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. That whosoever believeth in him should not perish but come into eternal life. Que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Now in this announcement today we welcome all of you who are new.
Et dans cette annonce aujourd'hui, nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui sont là pour la première fois. We want you to understand that salvation is very important. Nous voulons vous faire savoir que le salut est très important. And there is no name under heaven whereby somebody can be saved except the name of Jesus. That is in Acts chapter 4 verse 12. Et il n'y a pas de nom sous le ciel par lequel nous devons être sauvés, c'est le livre d'Actes des Apôtres qui nous l'a dit. All you newcomers will welcome you. Vous tous ceux qui êtes là pour la première fois, nous vous souhaitons Jesus said, whosoever cometh to me, I will in no way cast out. Et Jésus-Christ a dit, tous ceux qui viendront à moi, je ne les rejetterai point. As you have come, keep on coming. Comme vous êtes venus, continuez de venir. Because Jesus said in John chapter 8. Car Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 8. If ye continue in my word, church members will hear, whether you are church member or worker or newcomer, if you continue in my word, then are ye my disciples indeed. Et il a dit que si vous continuez dans ma parole, et vous-même les anciens membres, en ce moment-là, vous serez mes disciples. Some of you newcomers may be coming from other churches. Et certains parmi vous qui êtes là pour la première fois, vous pouvez venir d'autres églises. As you have started coming, we want you to remain in this church because we're teaching you the truth. Comme vous êtes venus, nous voulons que vous continuiez de venir parce que nous vous enseignons la vérité. All those places where you are coming from. Toutes les places d'où vous venez. The Bible says, come ye from among them. La Bible dit, sortez du milieu d'eux. And be ye separate, says the Lord. Et soyez séparés, dit l'Éternel. We're receiving you today. Aujourd'hui, nous vous recevons. Because you have come. Parce que vous êtes venus. Because God said that if you will come out from among them, I will receive you. Car you will be my daughters, will be my sons, says the Lord. Car Dieu a dit, si vous sortez du milieu d'eux, vous serez mes fils, vous serez mes filles. Don't let anybody discourage you. Il ne faut pas accepter que quelqu'un vous décourage. Not to keep coming to our church. Et de ne pas continuer de venir à notre église. Because people will try to discourage you. Parce que les gens vont chercher à vous décourager. They discourage other people too. Ils ont découragé d'autres personnes. Jesus said, Jésus a dit, if they persecute me, s'ils me persécutent, they will persecute you. Ils vont aussi vous persécuter. So they will persecute you. Ils vont vous persécuter. Now our preacher will soon come to preach. Notre prédicateur va venir pour prêcher. I'm just making an announcement for you. Je fais l'annonce pour vous. Now, but they will tell you that we're preaching holiness here. Et ils vont vous dire que on prêche la sainteté ici. It is true. C'est vrai. According to Hebrews chapter 12. Selon Hébreux chapitre 12. Without holiness, no man shall see the Lord. Sans la sainteté, nul ne verra Dieu. And now, all of you, the ushers will give you a card. Les ouvriers qui accueillent vont vous donner une carte. We're giving you the card. Ils vont vous donner la carte. So that we can still follow you up. Afin que nous puissions vous suivre de près. Because Jesus said that when you have come like this, car Jésus dit comme vous êtes venu comme cela, go into all the world and preach the gospel to every creature. Allez-y dans le monde entier prêcher la parole de Dieu à toute la nation. Teaching them to observe. Leur enseignant a observé. All things whatsoever I have commanded you. Tout ce que je vous ai prescrit. So fill that card. Et il faut remplir cette carte. Don't tell any lie. Il ne faut pas mentir. Hebrews chapter Ephesians chapter 4 says, let no man lie to one another because ye are members of one another. Et Ephésiens chapitre 4 dit de ne pas mentir les uns les autres parce que nous sommes membres les uns des autres. So give the card to the usher's bag. Il faut donner la carte aux ouvriers qui accueillent. Don't put it in your pocket. Il ne faut pas mettre ça dans votre poche. 1 Samuel chapter 15, obedience is better than sacrifice. Chapitre 15 dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. The national pastor is waiting to preach. Le leader du pays attend de prêcher. This person that was told to make announcement is doing another thing. Et cette personne à qui on a dit de faire l'annonce, il fait quelque chose d'autre. It is true, he's quoting Bible. C'est vrai, il prend des références dans la Bible. He's quoting Bible with a disobedient heart. Mais il fait des références dans la Bible avec un cœur désobéissant. Quoting Bible with an unfaithful spirit. Il fait des références dans la Bible avec un esprit d'infidélité. Quoting Bible with rebellion in the heart. Il fait des références dans la Bible avec la rébellion dans le cœur. What are you doing? Qu'est-ce qu'en train de Are you propagating religion or you want to follow God? Est-ce que vous êtes en train de propager la religion ou vous voulez suivre Dieu? Why are we deceiving ourselves? Pourquoi est-ce que nous nous trompons? Why are we not surrendering to God? Pourquoi est-ce que nous ne donnons pas à Dieu? And be faithful and be simple. Et être fidèle et être simple. And don't try to do anything that will be disobedience to your national overseer and be faithful. Et faire des choses qui seront des désobéissances à votre responsable d'État, mais être fidèle. Those who are national overseers today in your country.
Ceux qui sont des responsables d'État dans vos différents pays. There was a time that they were just members of the church. Il y a un temps où ils étaient de simples membres de l'église. God helped them to be faithful. Dieu les a aidés à être fidèles. In Nigeria here, he made them workers. Et au Nigeria ici, il a fait d'eux des ouvriers. Later, he made them preachers. Et après, il les a fait prédicateurs. And eventually now, by the grace of God, they are national overseers. Et maintenant, par la grâce de Dieu, ils sont responsables de pays. Well, the pastor in your church, the same thing. They didn't start as being pastors. Et les pasteurs dans votre église, ils n'ont pas commencé par être pasteurs. They were first members of the church. Ils ont été d'abord membres de l'église. Why are you not faithful? Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas fidèles? And remain submissive. Et rester soumis. As a member. Comme un membre. God knows when you'll become a worker. Dieu sait quand nous deviendrons ouvriers. God knows then you can become a preacher. Dieu sait quand nous deviendrons If you're a preacher already, si tu es prédicateur déjà, who knows what God wants you to do tomorrow? Qui sait ce que Dieu veut que tu sois demain? But will you ever get to that place God wants you to get to tomorrow if you are not faithful today? Est-ce que c'est possible que tu arrives là où Dieu veut que tu sois demain si tu n'es pas fidèle aujourd'hui? In the programs of the church, be faithful. Dans les programmes de l'église, sois fidèle. In the handling of the money in the church, be faithful. Dans l'entretien de l'argent de l'église, il faut être fidèle. In counseling in the church, be faithful. Dans les conseils dans l'église, il faut être fidèle. Don't just tell them your mind, tell them what the Bible says. Il ne faut pas juste leur donner ton opinion, mais dis ce que la Bible dit. If you are a man, you are a worker in the church, be faithful in your dealing and relationship with the women in the church. Si tu es un ouvrier dans l'église, il faut être sérieux, il faut être fidèle dans tes rapports avec les femmes dans l'église. The sisters in the church have come to the church. They are not hotel attendants. Les sœurs sont venues dans l'église, elles ne sont pas les habituées d'hôtel. Keep them pure. Il faut les garder pur. Faithfulness demands. La fidélité demande. That when a sister in the church comes to you for counseling or for anything, he must go away from you purer, not less pure. Purer than when she came to you. Que si la sœur vient vers toi pour demander de conseils, elle doit repartir de toi plus pure que elle n'est venue. But you know, if you say you are a pastor, mais si tu dis que tu es pasteur, and you are not faithful in the church, et tu n'es pas fidèle dans l'église, and when a sister in the church comes to you, she goes away from you less pure. She was pure before she came to the pastor, but now coming to the pastor, she becomes impure. Et elle vient à toi et elle repart moins pure que elle n'est venue, et c'est à partir du contact qu'elle a eu avec toi qu'elle est devenue ainsi. In your counseling, let people go away from you purer. Si dans ton conseil, il faudrait que les gens partent, repartent de chez toi pur. Let them go away from you better than before they came. Laisse-les repartir de chez toi plus meilleur qu'ils ne sont venus. If you do all these things like this, you'll be faithful. Si tu fais les choses ainsi, tu seras fidèle. And God will prosper the work in your hand. Et Dieu va rendre prospère l'œuvre dans ta main. Great miracles will begin to take place. De grands miracles vont se passer. The church will begin to grow. L'église va commencer par croître. The young and the old will begin to come. Les jeunes et les vieux vont commencer par venir. The educated and the illiterate will begin to run to the church. Les intellectuels et les illiterés vont commencer à envahir l'église. Because you are faithful to God. Parce que tu es fidèle à Dieu. You are faithful to leadership. Tu es fidèle au leader. You are faithful to the church. Et tu es fidèle à l'église. You are faithful to the word of God. Et tu es fidèle aussi à la parole Look de Dieu. Look at 2 Timothy chapter 2. Nous lisons dans 2 Timothée chapitre 2. Verse 2. Verset 2. And the things thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. All that you have heard. Tout ce que vous avez entendu. All that you have known. Tout ce que vous avez su. Pass it across to other people. Il faut le passer à d'autres personnes. Teach others exactly as you have been taught. Il faut enseigner les autres exactement comme nous avons été enseignés. Don't compromise. Il ne faut pas faire des compromissions. Don't change the word of God. Il ne faut pas changer la parole de Don't Dieu. Don't go your own way. Il ne faut pas prendre son propre chemin. If you will
obey God, si tu veux obéir à and Dieu be faithful to God, et lui être fidèle, be faithful to the word of God, fidèle à la parole de Dieu, be faithful to leadership, fidèle au leader, and be faithful in the church, et fidèle dans l'église, God will never leave you. Dieu ne va pas te laisser. He will never forsake Il you. Ne va jamais t'abandonner. In Hebrews chapter 13, Hébreux chapitre 13, verse 6. Verset 6. So that we may boldly say, the Lord is my helper, I will not fear what man shall do unto me. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme. I believe the Lord is going to help us. Je crois le Seigneur va nous aider. As we go to our various countries, maintenant que nous allons repartir dans God nos pays, has corrected us. Dieu nous a corrigé. Are we receiving the correction? Est-ce que nous recevons la correction? God has challenged us. Dieu nous a lancé des défis. Are we receiving the challenge? Est-ce que nous recevons les défis? As we receive all these things, lorsque nous recevons toutes ces choses, we are going out in the power of the Lord. Nous partons dans la puissance de Dieu. And he says, now we can boldly say, the Lord is my helper. Et il dit que avec assurance nous pouvons dire le Seigneur est mon aide. I want you to say the Lord is my helper. The Lord is my helper. Je voudrais que vous dites le Seigneur est mon aide. Le Seigneur est mon aide. I will not fear. Say that. I will not fear. Je ne craindrai point. Je ne craindrai point. Because the Lord will help me. Car le Seigneur va m'aider. You really believe that? Yes. That the Lord will help you? Yes. Est-ce que vous croyez réellement à cela? Oui. Que Dieu va vous aider? Oui. Are you afraid? No. Avez-vous peur? No. Afraid of the customs on the road in Nigeria? No. Apeuré des douaniers à la frontière du Nigeria? No. Afraid of your country? No. Peur du pays? No. Afraid of sinners you are going to preach the gospel to? No. Vous avez peur des péchés à qui vous devez prêcher? Are you afraid of one another? No. Est-ce que vous avez peur les uns des autres? Look, no. Should I be afraid of this, my interpreter? Est-ce que je dois avoir peur de mon interprète? I am preaching. Je prêche. He wants to interpret and assist me. Et il veut interpréter et m'assister. Why am I afraid of him? Pourquoi est-ce que je dois avoir peur de lui? Your own workers. Vos propres ouvriers. Are you afraid of your workers? Est-ce que vous avez peur de vos Why ouvriers? Are you afraid to command your workers? Pourquoi est-ce que vous avez peur de commander vos In ouvriers? In love. Dans l'amour. Brother, go and do this. Frère, va faire ceci. Why are you afraid of your workers? Pourquoi est-ce que vous avez peur de vos ouvriers? Why are you afraid of the people in the country? Pourquoi est-ce que vous avez peur des gens dans le pays? That come to worship. Qui viennent pour adorer. Wanting the word of eternal life. Ils veulent la parole de la vie éternelle. There is nothing to be afraid about. Il n'y a rien à avoir peur. God will help every one of Dieu us. Dieu va aider chacun de nous. Let's rise up and pray. Levons-nous pour prier. Open your heart to the Lord. Ouvre ton cœur au Seigneur. That you will be faithful. Afin que tu sois fidèle. You're not going to allow anything to make you unfaithful. Tu ne vas jamais accepter que quoi que ce soit te rende infidèle. You will be faithful. Tu seras fidèle. You will not be afraid of anything or anyone. Tu n'auras pas peur de quoi que ce soit et de qui que ce soit. Tell the Lord. Parle au Seigneur. I'll be faithful to God. Je vais être fidèle à Dieu. I'll be faithful to leadership. Je vais être